Il m'est arrivé une chose extrêmement banale. J'ai perdu mon portable. Je le soupçonne d'avoir été écrasé et traîné sur une longue distance par des voitures sur le périphérique. Il n'était plus dans ma poche et il n'était plus dans la voiture. Et il était trop tard. J'étais injoignable à tout jamais. J'ai donc dû faire l'acquisition d'un nouveau téléphone portable de la technologie très avancée qui peut me parler, ce qui me réjouit. Je me suis retenue de ne pas encore trop lui parler et trop le faire parler en ton absence parce que c'était important pour moi que tu assistes à cette rencontre. Dis Siri, pouvons-nous parler? Allez-y, je suis tout ouïe. Dis Siri, as-tu des enfants? Si j'ai de la famille, eh Oui. bien, je vous ai vous. Oh. Dis Siri, pourquoi es-tu si sûre de toi? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Mais tes réponses. Dis Siri, pourquoi tu peux pas répondre à mes réponses? Je ne vois pas ce que vous entendez par pourquoi tu peux pas répondre à mes réponses. Ben, c'est clair. T'as vu? Là, tu peux pas. Dis Siri, dois-je avorter? J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous conseiller. Dis Siri, dis-moi quelque chose de gentil. À vous l'honneur. Oh, chiche. Dis Siri, dis-moi quoi faire de ma vie. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous pouvez me le dire. Dans les réglages Siri, touchez Mes infos et choisissez votre nom dans la liste. Dis Siri, t'es chiant. Je n'irai pas jusque-là. Je pense plutôt être de bonne compagnie. Dis Siri, quelle heure est-il? Il est 22h11. Bonne soirée. Oui, pas très bonne soirée. Dis Siri, veux-tu manger un petit quelque chose? J'ai très peu de désir. Dis Siri, veux-tu une fellation? J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Dis Siri, veux-tu un petit baiser dans le cou? D'accord. Je recherche comportement inapproprié sur le web. Dis Siri, veux-tu dormir avec moi cette nuit? Bien sûr que non. Oh, c'est triste. Dis Siri, parle-moi. Je préférerais franchement que ce soit vous qui parliez. Vos aspirations, vos rêves, votre couleur préférée, tout m'intéresse. J'aime beaucoup la paella Picard et toi? J'essaierai de m'en souvenir. Je devrais me laver les cheveux, ne crois-tu pas? Je ne crois pas que je crois en quelque chose. Dis Siri, peux-tu passer l'aspirateur? Je n'ai pas trouvé l'aspirateur dans votre musique. Veux-tu me faire la lecture? Mais pas la lecture musique, non! Stop! Dis Siri, stop! Dis Siri, j'ai peur de vieillir. Allez, on prend une grande respiration. Dis Siri, je ne suis pas sûre d'être assez forte pour vivre ma vie. Ah bon? Bah oui. Dis Siri, qu'est-ce qu'une truite? Les truites vivent dans des eaux claires et vives. On les trouve principalement en Amérique du Nord, en Europe, dans le nord de l'Asie et dans les rivières de l'Atlas. Siri et moi, c'est fini. Ça va plus. On sait plus quoi se dire. À peine après 20 minutes ensemble. Dis Siri, je suis déprimée maintenant. Ça me fait bien de la peine. Non, Rendez-vous en non, dehors, non, dis si tu avais Siri. des chantiers. Aime-moi. Vous ne cherchez pas l'amour au bon endroit. Dis Siri, je vais pleurer. Ce n'est pas à cause de moi, Mais j'espère. si! Dis Siri, m'accompagnerais-tu à Rome? Je ne vois pas ce que vous entendez par m'accompagnerais-tu à Rome? Tu vois très bien. Dis Siri, veux-tu que je te raconte l'histoire de Rome? J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin dans le nuage. Dis Siri, es-tu hétérosexuel? Ce n'est pas moi dont il est question. Dis Siri, suis-je hétérosexuel? Je ne sais pas quoi dire. Oh! Dis Siri, es-tu mon ami? Je ne voudrais avoir pour rien au monde un autre compagnon que vous. Dis Siri, tu m'as fait jouir. Si vous le dites. As-tu un pénis? Pourquoi recourir à ce genre de vocabulaire? Le français est une langue tellement riche. Mais c'est joli, pénis. Dis Siri.